C'est la rencontre de deux mondes, pour le dire très simplement, le monde de l'éducation nationale qui a ses règles, qui a son cadre, et le monde, on va dire, des arts, des artistes. Non, les résidences d'artistes reposent vraiment sur un partenariat très fort entre le département, le Conseil général de Meurthe-et-Moselle et l'éducation nationale, à travers la direction des services départementaux de l'éducation nationale de Meurthe-et-Moselle, qui est très impliquée, bien sûr, aussi bien dans l'accompagnement des établissements que dans la place que doit occuper la culture dans la vie du collège, dans la vie pédagogique de l'établissement. Donc pour moi, la résidence d'artiste, c'était une bonne expérience en fait. Ils sont venus pour nous apprendre leur métier, ce qui se passait sur scène. L'idée, c'était qu'il fallait être en tandem entre une compagnie, une structure et un collège, quoi. Donc là, avec Guérin, l'idée et le collectif Kinorev, c'est travailler sur une année avec deux classes, sur la découverte d'un processus de création. Qu'est-ce que c'est que fabriquer un spectacle? Qu'est-ce que c'est qu'être dans un acte créatif? C'est en fait une résidence de création. Donc sur les deux ans, la compagnie crée ce spectacle professionnel. Et en fait, la résidence, c'est tout simplement le laboratoire de création. Enfin, le sens de la résidence dans le collège, c'est le laboratoire de création de ce spectacle-là. C'est-à-dire que les élèves nous apportent de la matière, des informations, qu'on détaillera un petit peu tout à l'heure, et nous leur faisons profiter de la présence d'artistes dans un établissement qui, normalement, un établissement d'enseignement dans lequel il n'y a pas d'employés artistes. Vous êtes encore là? Ça m'a apporté beaucoup, personnellement. Parce que avant, je voyais pas. Avant, je détestais le théâtre. Je me disais, oui, c'est des acteurs, ils jouent, c'est bon, moi aussi, je peux faire ça. Il suffit d'apprendre un texte et puis tu joues et puis c'est bon, c'est facile. Le rôle du théâtre, c'est de porter avec l'établissement le projet donc, de résidence en collège. Et on s'occupe notamment de faire le lien entre l'établissement scolaire et les artistes et de gérer toute la logistique liée à leur présence dans l'établissement. Sur 3 ans, les enfants alternent des ateliers d'écriture et des ateliers de jeu et de dramaturgie avec Laurent. Donc je prends en charge l'écriture, Laurent prend en charge la mise en scène, le travail de jeu, le conditionnement du jeu et tout le travail de plateau. C'est toujours pareil, je reçois, je donne ce que je reçois. Je ne pose pas de questions, je n'ai pas d'autres questions à me poser. Ce que je reçois, c'est ce que je donne. Ça se situe en dehors des cours, donc c'est quand même 3 heures par semaine sur 3 années. Donc ça représente un quota d'heures relativement important. Donc pour nous, le niveau de classe fut rapidement choisi. Nous avons décidé de partir sur le niveau 6e. Et là, différents scénarios pouvaient se présenter. Soit constituer toute une classe où les élèves adhéreraient de manière volontaire à la résidence, soit arbitrairement de décider de la classe qui participerait à la résidence d'artiste, soit encore de laisser le choix aux élèves de participer ou non à cette résidence. Donc maintenant j'appelle Catherine Touzé.
Comme les artistes viennent travailler sur une journée entière, donc ça veut dire que pendant cette journée-là, les élèves sont avec moi et les artistes et donc ne participent pas aux autres cours. Donc ça nécessite que le chef d'établissement soit partie prenante de cette façon de travailler et aménage les emplois du temps. Enfin, Kylian, il n'a pas d'idée du tout. Kylian, tu vois le patron ? La fenêtre, c'est ce qu'on a symbolisé par le scotch noir et la chaise pour escalader. Et il y a un fauteuil sur la droite. Avec une porte sur la droite et un fauteuil. Et un fauteuil. Ce fauteuil-là fait aussi partie de la scène. Nous, effectivement, on est un petit peu, quelque part, on est quand même un grain de sable dans une machine qui est une machine complexe. Bonjour et bienvenue au pays des marionnettes. Voici l'histoire de Trottinette. Elle est née au collège, dans une classe d'élèves. Des élèves pas vraiment comme les autres. Des élèves de 5e. Avant, je savais pas que les gens avaient des rêves comme nous on avait. Grâce à la résidence, j'ai appris que les gens les gens qu'on voyait différemment, qu'on voyait supérieurs à nous, en fait, ils sont comme nous, ils sont... Là, on est dans un autre rapport, c'est un artiste qui nous amène son autre façon de... Oui, une autre façon de voir et de penser et qui nous ouvre vraiment l'esprit. Le fait qu'il y ait cette résidence au collège de Tucnieux, l'ensemble des enseignants se sont mobilisés avec le chef d'établissement, avec M. Suarez. Et du coup, tous les élèves de l'établissement viennent voir au moins un spectacle sur la saison. Finalement, on sent qu'au sein du collège et à l'extérieur du collège, tous les élèves de l'établissement peuvent en profiter pleinement. Et il y a eu d'énormes acquis l'année dernière, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on lance une consigne et les enfants se la réapproprient d'une manière tout à fait étonnante. Qui c'est qui commence ? C'est parti, moi j'enregistre. Pour vous, c'est quoi le racisme ? Et est-ce qu'il existe de la discrimination dans le monde ? Pour vous, la différence est vraiment importante ? Êtes-vous de sexe masculin ou féminin ? Si vous avez un défaut, vous l'assumez ? Assumez-vous vos origines ? Avez-vous des problèmes de famille ? On a tissé des liens. Franchement, je suis heureux de les connaître. Ils étaient comme des amis, quoi. On s'entendait bien, on parlait, on se confiait des trucs. Ils ont un autre rapport avec les comédiens. Ils les tutoient. Ce sont des adultes, mais ce ne sont pas des professeurs. Il n'y a pas de sanctions prises par eux. Il y a les sanctions qui sont prises par les professeurs. Il n'y a pas de notes pendant cette activité. Donc c'est vrai que la relation est différente par rapport aux autres adultes du collège. Donc ça, c'est vrai que c'est important. Tu fais quoi là ? J'envoie un texto. Mais on n'a pas le droit, on est en cours. Ce que j'ai remarqué, moi, avec les élèves qui sont en résidence d'artistes, par rapport aux autres sixièmes que j'ai, ils sont beaucoup plus réactifs et beaucoup plus à l'aise. Ils partent au quart de tour. On leur dit un mot, on leur fait un geste, une suggestion, et ils sont beaucoup plus réactifs et ils ont beaucoup plus d'imagination et ils sont moins réservés à faire les choses, à produire des sons, à faire des onomatopées. Et des zip, ché, bam, bo, bloc. Oui, pas mal. Moi, je trouve que c'est bien le théâtre parce qu'en même temps, on apprend plus de choses. On apprend comment bien s'exprimer et tout plein de trucs. Que chacun puisse en fait s'épanouir et trouver le moyen de s'ébahir lui-même. Que chaque enfant puisse s'ébahir en disant tiens, c'est incroyable, moi je suis capable d'écrire ça. Par exemple, en maths, des fois on a peur de dire à la prof oui, on comprend pas et tout ça parce qu'on a.
on a un peu honte. On a peur de se sentir mal contre les autres élèves et tout ça. Et qu'en théâtre, à la place, on peut s'exprimer comme ça. Ils nous apprennent à bien le vivre, à bien le prendre. Pas à faire « non, j'ai trop peur, je le dis pas » et comme ça, ça fait baisser la moyenne et tu on passe pas ou un truc comme ça. Ça nous aide à bien réussir. On n'a rien compris. Le pauvre, il est mort. Donc en fait, il va y avoir quand même des restitutions. Bien sûr que et les élèves, et les parents d'élèves, et les enseignants, et le personnel, les autres personnels de l'établissement auront des retours. Ils auront des retours écrits, ils auront des petits retours enregistrés, ils auront peut-être des petits retours filmés, ils auront des choses comme ça, mais ils n'auront pas, en fin d'année, un spectacle de rouge présenté par les élèves du collège. Ils n'auront pas ça. Donc c'est-à-dire que pour comprendre où est-ce qu'on est, qu'est-ce qu'on fait, eh ben, ça pose quand même... on est un peu en dehors de ce qu'on connaît déjà. Pas lui, non mais sérieux quoi, il a quoi à me regarder? Ce type de projet sert effectivement à plein de choses, mais notamment de notre point de vue à nous, à familiariser un groupe avec un lieu culturel qui est dans leur ville, qui est dans leur environnement. Et à terme, à très long terme, ça prépare chaque futur citoyen que représente chacun de ces jeunes à pouvoir être en capacité de s'emparer de son environnement culturel. Le Conseil général, il est engagé pour les résidences d'artistes pour des raisons culturelles d'abord et avant tout, favoriser l'accès de tous à la culture, pour faire en sorte que le collège soit ouvert sur son territoire et le territoire soit complètement intégré dans le collège. C'est un enjeu fondamental aujourd'hui par rapport à cette nouvelle génération de collèges qui sont en train de voir le jour et qui dans les prochaines années sortiront de terre, d'être à la fois d'abord et avant tout des espaces d'enseignement, mais aussi des espaces ouverts à la culture, au sport, à la vie associative, ouverts à leur territoire, c'est-à-dire qui puissent être accessibles en dehors du temps scolaire, aux parents, aux familles, aux habitants du territoire, qui pourront venir y voir une exposition, qui pourront venir y découvrir une pièce de théâtre, qui pourront venir échanger. Quand on les a plus vus, ça a fait bizarre, parce que tous les mardis, on les voyait, c'était bien, C'est un souvenir magnifique.